Ravi de vous retrouver pour le premier épisode de la journée sur mon let's play Europa Universalis 4 avec la Bourgogne. C'est vrai que ça fait pas mal d'années que je suis, je dirais pas à l'arrêt puisque j'ai quand même réussi à prendre la Bretagne. J'ai pris l'Orléanais, j'ai vassalisé quelques pays, mais en tout cas ça avance pas aussi vite que je l'espérais. Ah, mais ça peut être intéressant. Ouais, non, c'est un peu trop limité comme guerre. Non, pas très intéressant. Ouais. Pour l'instant, l'Autriche est toujours perdante sur les élections. Alors j'ai un nouveau vassal, la Suisse, ce qui fait que je peux réclamer des territoires. Merde. Alors, ils ont une revendication sur Sun, je sais plus comment on dit, Sungo, je sais pas. Et Saint-Gall, par contre, c'est pas une revendication, c'est un territoire, c'est une province nationale. Et puis après, ils ont plein de provinces nationales sur Milan. Enfin, quand je dis plein, ils en ont deux, quoi. Donc, c'est un bon vassal à prendre. Ça peut devenir intéressant assez rapidement. Si j'ai l'occasion de faire la guerre, si l'Autriche a mieux à faire ailleurs, ce qui peut être le cas, hein. Voilà. Là, c'est pas une guerre contre la Hongrie qui va vraiment les occuper, mais bon, il faut que je sois patient. La prochaine cible, c'est vraiment la France. Alors, 10 de prestige, ouais, je m'en fous. Je vais peut-être pouvoir rembourser une dette de plus là. Ouais, ah, enfin. 24 de bénéfices, c'est déjà mieux. Faut que je surveille aussi ma limite navale qui va se remettre à augmenter au fur et à mesure. Donc moi je vais remettre mes navires. Alors, je continue à améliorer mes relations avec tous les petits pays. On ne sait jamais. Un jour, ça servira peut-être, donc faut que je sois au maximum. Voilà. Ouais, ça m'embête de voir la France aussi inactive dans cette guerre. J'avais un bon coup à faire là. Mais j'ai pas l'impression vraiment qu'ils fassent grand chose. Il y a toujours ces 27 000 hommes qui bougent pas de leur position. C'est assez énervant. Là, je peux refaire 3 000 hommes de plus. Que je suis bientôt au maximum. Enfin, j'étais au maximum d'ailleurs. Du coup, peut-être que je peux changer un conseiller militaire. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent là, dans l'immédiat. Tant pis. Fin des troupes religieuses en Savoie, mais je pense que la Savoie là, je sais pas ce qui va leur arriver. Mais à mon avis, ils vont avoir quelques petits problèmes lors de la signature de la paix. Hein. Il va pas en rester grand-chose en clair. Une fois que la paix sera signée. Ça, je vais aller le mettre jusqu'à Lübeck. Ça aussi. Alors, l'Autriche. Je vais regarder vite fait ce qu'il en est. Ah, mais ils ont déjà signé la paix. C'était trop court cette guerre. Aucune opportunité à saisir là sur ce coup-là. C'était juste impossible. Alors, je vais juste regarder un petit truc. La France a 46 000 hommes seulement. J'en ai plus qu'elle a maintenant. Surtout que moi j'ai aussi
16 000 alliés, grosso modo. Ouais, 16 000 hommes chez les alliés, chez les vassaux. Ah, ça peut être intéressant. Saxe est allié à la Bavière, Brandebourg, Francfort, Hesse, Wurtemberg. Ok, de toute façon, je vais accepter. Mais ce qui m'intéresse dans ce genre de guerre, c'est les paix séparées. Ah, la Saxe, c'est trop loin, malheureusement. Alors, si je regarde, je suis en guerre contre Ace. Pas vraiment de nation intéressante. Là, faut que je m'écarte, hein. Ça, c'est une situation dangereuse. J'ai aucun moral, il est juste à côté de moi. Ah, je viens de voir un truc intéressant. Enfin, intéressant, entre guillemets. L'Autriche s'est jointe à la guerre. Conquête. Alors la Saxe, c'est où exactement, du coup? Je suis obligé de m'intéresser vraiment à cette guerre. C'est ici, hein. C'est un peu loin pour moi. Merde. Je suis pas en co-belligérant dans cette histoire. Je peux pas appeler à l'aide, hein. Ah merde, du coup là je sais pas. Est-ce que vraiment je m'investis dans cette guerre? À mon avis, il y aura une signature très rapide sans que je puisse rien faire. Ouais, je crois que je vais pas m'investir. Hein. S'il m'attaque, j'irai faire quelque chose. Ah, ça m'embête ça. Est-ce qu'il y a des navires d'ailleurs chez l'ennemi? Pas vraiment, hein. Je peux laisser les miens. Je perds beaucoup d'argent. Ouais, j'ai un peu de renfort, c'est pour ça. J'ai un peu de troupes à renforcer. Bon, bah cette guerre, je la sens pas du tout en fait, hein. Elle est perdue d'avance. Dans quoi s'est embarquée la Bohème? D'ailleurs, je ne vois plus l'armée de la Bohème. Ça se trouve, elle a déjà disparu. Elle aurait déjà été détruite. Par ordre alphabétique, ce sera plus simple, je crois, pour la retrouver. Non, ils ont toujours 20 000 hommes, sauf que je les vois pas. C'est pénible, ça. République des deux nations. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, c'est ça. L'union Lituanie-Pologne a eu lieu. Ah, ils sont là. Oh là là, c'est chaud de commencer ce combat aussi près de l'Autriche, là. Bon, a priori, l'Autriche n'a pas l'air d'intervenir. Ah, si, les voilà. Voilà, c'est la fin. Non, ça pardonne pas. Hein. Bon, bah, nous on va rester tranquille ici parce que là je peux rien faire. Enfin, ne serait-ce qu'en termes de troupes. Ah, ils sont nombreux. Hein. Moi sans la Castille, j'ai un peu de mal, j'avoue. J'ai besoin des 50 000 hommes de Castille pour vraiment dominer. Alors réfléchissons. Ouais, je peux pas faire la guerre à un membre de l'Empire. Ah oui, on n'avait plus de mariage avec eux. Par contre, je sais pas depuis combien de temps je suis à 999. Là, j'étais tellement occupé à regarder cette guerre. Ça se trouve, ça fait longtemps. La science dans 2 ans. Il va falloir que j'investisse.
Je vais diminuer ma maintenance militaire. J'ai vraiment besoin d'argent, hein. Je m'en fous de leur guerre. Elle va être très courte à mon avis. Hein. Ça va être une guerre express. Ça se trouve, je vais même pas avoir le temps de perdre de province que ça va être réglé. Mais merde, il faut que je fasse gaffe à ça là. Et mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment d'argent non plus. Ok. Est-ce que j'ai pas une décision à ajouter? Ah non, j'en ai pas. Merde, comment je vais faire là? Remarque, 2 ans, je peux l'acheter. Hein. Ça va me coûter 10% en plus, c'est pas énorme. Ouais, tant pis, je l'achète. 10%, c'est pas non plus énorme. Je vais perdre plus à attendre. Alors déjà moins 12. Ouais, je pense qu'ils vont très vite se rendre. Est-ce qu'on peut pas faire paix blanche? Non, ils en veulent pas. Ni protestant, ni catholique. Encore avec la Suisse. Moins 15. J'espère que ça va pas renforcer 2 de stabilité. Ah putain, ils vont m'obliger à prendre des dettes. Ou alors je retombe à 0 de stabilité. Ouais, je crois que je vais retomber à 0 de stabilité. Le but c'est de rembourser mes dettes, c'est pas d'en prendre plus. Ah ça, ça fait beaucoup. Hein. Et merde. 2 d'un coup, c'est assez énorme. Je suis content, je vais être à 200. Si on pouvait être à 300 avec la Suisse, j'y serais. Je serais même quasiment à 400. Ça me sert strictement à rien. Alors, question élection. Là, l'Autriche, quoi qu'il arrive, est perdante. Il a que 21 ans, malheureusement. Je crois qu'il mourra pas prochainement. Alors, comme prévu, la Savoie a été réduite vraiment à sa plus simple expression. Et je me demande même s'il n'y a pas moyen de les vassaliser en ce moment. Parce que je peux gagner 45 de relations, ce qui nous mettra à 90. Une alliance, 140. Un mariage, 165. Le passage, 175. Je vais améliorer mes relations avec eux. Et je vais voir si c'est pas possible. Donc là, je vais attendre pour m'acheter la science. Eux, on les a vassalisés en 77, encore 5 ans à attendre. Bon, moins 20, j'espère qu'ils vont pas faire cette guerre jusqu'à moins 50 ou moins 80, et qu'ils vont vite se rendre compte que là, il faut se rendre. Franchement, je pense que là il faut se rendre. Je crois que il devrait s'en rendre compte assez rapidement maintenant. Alors, ça c'est bon. Je vais pouvoir améliorer mes navires quand j'aurai de l'argent. C'est-à-dire pas tout de suite. Coût des technologies militaires. Ben, ça c'est parfait parce que je ne l'ai pas encore prise. Donc en fait c'est bien parce que ça va compenser le fait que j'ai acheté ma technologie administrative trop tôt.
Donc ça c'est pas mal. Moins 10% d'un côté, plus 10 de l'autre. C'est plutôt pas mal. Bon, allez là, ils sont à moins 24. Ils sont contents, ils ont 6000 hommes, mais bon. Du coup, j'ai perdu mes alliances. J'ai bien envie de rompre une de mes relations. Avec eux, ils sont un peu loin, je trouve. Je sais pas. Ça, c'est Brandebourg, et ça, c'est la Bavière. Il y a un catholique, deux catholiques. Si je regarde les armées, Brandebourg et Bavière, ils vont être quasiment au même endroit dans la liste. 10 000 hommes, 11 000. C'est un peu trompeur parce qu'on est en plein milieu d'une guerre, donc c'est un peu dur de savoir. Ça me coûte plus de stabilité et de rompre le mariage grâce à ma doctrine. Donc en fait, je peux le faire quand je veux. Ça, c'est une bonne chose. Eux ils sont trop loin. Briser les liens du mariage. Je perds juste un prestige. Et du coup je perds ce désavantage. Et je me retrouve à plus 9. C'est quand même assez énorme, ceci dit. Ouais, du coup, une alliance entre Brandebourg et Utrecht. Ok, je pense que je suis à l'unité 100% pour l'unité religieuse. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça faisait longtemps, en tout cas, que ça m'était pas arrivé. Bon, bah, c'est bien. Les revenus sont toujours aussi pathétiques. Bon, c'est pas grave. On améliorera les choses au fur et à mesure. Ce qui serait bien, ce serait de conquérir des territoires côtiers, honnêtement. Pour augmenter mon nombre de navires. Allez, moins 32 là, c'est bon, c'est le moment de se rendre. Alors la Savoie. On est bien à plus 92, donc on peut être à plus 142, plus 177. Ah, c'est très facile de les vassaliser. Ils sont devenus tellement petits en plus que. Ah, ils sont pas assez petits encore, a priori. Merde. Ah, pourtant, ils doivent avoir des provinces riches parce que. Allez, c'est celle-là, la Savoie qui est à 11. Merde. Je préfère pas, alors du coup, c'est pour ça que je préfère vraiment être à plus 100 et voir ce que ça donne avant de commencer les alliances et tout ça. Alors peut-être que si on améliore nos relations, le chiffre changera, mais là on est à moins 49, ça fait beaucoup quand même, moins 49. Ouais. Bah, pour l'instant, j'abandonne ce projet. Là, je peux y aller. Alors, je vais prendre toujours. On se remarque, c'est les mêmes en défense. Infanterie de charge, ce sera bon. Bon, là, ce serait sympathique qu'ils arrivent à se rendre. Je vois pas ce qu'ils espèrent. Ça, que ça fait la paix avec le Palatinat, très bien. Du coup, ils feraient peut-être la paix avec moi. Non. Ok. Alors vite fait, je vais améliorer mes relations avec mes alliés. Eux, faut que je me remette à plus 200. Bon, ça c'est tout.
toutes les alliances que le Palatinat avait perdues dans cette guerre. Ils sont en train de les retrouver doucement. Moins 42. Je vois pas bien pour eux l'intérêt d'aller aussi loin dans la guerre. Ou peut-être que c'est la Saxe qui accepte pas la paix. Mais du coup, ça va un peu les obliger. Ils ont fait un siège en 3 jours quand même. Ah bah, là, ils donnent les assauts. Et ils perdent quasiment rien, c'est ça qui est bien. C'est parce que j'ai pas amélioré mes forts non plus. Et puis on est à 0 de morale, c'est vrai. Bon, là, faudrait qu'ils fassent la paix. Mais... Avant que ça me coûte cher, cette affaire, j'aimerais bien qu'il s'arrête. Voilà, tout le monde va faire la paix. Würzburg s'est rendu. J'ai pas de diplomate. Non. Je vais bientôt pouvoir rembourser ma dette. J'espère qu'ils peuvent pas nous prendre des territoires à nous. Je me pose la question maintenant. Je vais aller m'occuper des troupes autrichiennes. C'est un peu tard, mais là ils arrivent en masse. Ce qu'il y a, c'est que j'ai absolument pas envie de me battre contre eux. Allez, c'est parti. Je préférais continuer à rembourser mes dettes, honnêtement. Mais là, ils ont rien que là, ils ont plus d'hommes que moi. Est-ce qu'ils veulent eux se battre peut-être? Alors, ils ont quoi comme généraux? Des 3-5-4? Un peu mieux que moi, évidemment. Je me casse. Mais j'espère que je peux pas perdre des territoires dans cette guerre. D'un coup, j'ai des doutes. Artois le 20, le 24, c'est bon. Je vais être obligé de m'en aller en plus en redéploiement stratégique si ça continue. Il y aura une rivière là, non? Armor, Morbihan, on va se réfugier dans la Loire. Ah, je comprends pas quoi. La Hongrie qui conclut une alliance avec l'Autriche. C'est quand même tout ce qui est plus étonnant. Alors, je regarde s'ils s'en vont. Si je concède la défaite pour leur faire plaisir. Non, toujours pas. S'ils s'en vont, là, je vais aller régler leur compte à leurs petites armées. Et merde, mes deux navires, là. Ah, ils sont pas morts, j'avais pas vu. Ok, c'est bon. Alors, je vais aller régler son compte. Ah, celle-là, déjà.
J'ai un peu peur qu'ils viennent avec cette armée-là, mais on verra ce qu'il en est. Ouais. Ah non, il bouge pas. Pour une fois. Donc je peux repartir tranquille. Je vais arrêter la vidéo ici. J'attends patiemment la fin de cette guerre, honnêtement. Je sais pas. J'espère qu'il va pas me prendre des territoires. C'est tout ce que je souhaite. Bon. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.